C'est On a tout essayé. Ce soir, chez vous, Valérie Mérès. Oui. Christophe Alévèque. Oui. Jean-Bernard Hébé. Oui. Claude Sarotte. Oui. Elsa Fayet. Oui. Et Jean-Luc Lemoyne. Oui. Je propose tout ce que nous souhaitions, il est encore temps, même si c'était hier, un bon anniversaire pour les 30 ans d'Elsa Fayet. Ah, ouais. Je me sens vieille. Voilà. Merci. On peut encore dire votre âge à cet âge-là, quand même. Ah bah oui. Ah, franchement. On va continuer. Mais on sent que vous êtes devenue une vraie femme, là, 30 ans, voit un petit costume. Vous auriez pu faire partie, Elsa, du classement des 20 femmes, des 100, 200 mais... femmes les plus belles du monde. Merci, c'est gentil quand même. 1000, 2000. L'essentiel, c'est d'être dans la course. En revanche, dans le classement des pantalons les plus ridicules du monde, nous vous proposons ce soir Jean-Bernard Hébé. Voilà, 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 voilà. Malgré tous vos lazis, je ne résisterai pas, je continuerai. Je continue, Bozo, on t'aime bien. Allez, je crois, oui. Ouais, non, je voulais simplement dire, c'est pas que je vous en veuille ou que je sois triste, n'importe quoi. Moi, mon anniversaire, c'était le 29 octobre. Oh. Non, 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 non. Mais tu dis pas aussi. Mais non, vous êtes si jeune. Si, je l'ai dit dans l'émission. Je l'ai gueulé, même. Vous avez l'air si jeune qu'on ne puisse... Franchement, on ne peut pas imaginer un seul instant que vous puissiez prendre une année chaque année. Oh, c'est gentil, ça. Bah, allez donc. S'il est faux au cul volet, tu seras chef d'escadrille. Passons à la photo du jour. La photo du jour, c'est aujourd'hui celle publiée par le Canard Enchaîné d'une carte d'électeur. Et regardez bien cette carte d'électeur du 5e arrondissement de Paris, qui figure en fait dans un manuel d'éducation civique destiné aux classes de 6e. Le Canard Enchaîné nous dit que dans cet ouvrage destiné aux élèves, aux écoliers, on nous donne cette carte d'électeur en exemple, évidemment, et après, il y a une batterie de questions, c'est pour les cours d'instruction civique. Et parmi les questions qui sont posées en dessous de cette carte d'électeur, voici celle que l'on peut lire. Quels sont les éléments qui prouvent que ce document est authentique? Ah, c'est une bonne question, alors les élèves doivent répondre. Sauf que quand on regarde la carte d'électeur qui a été choisie, donc 5e arrondissement de Paris, et regardez la signature, Jean Tibéri. Comment voulez-vous que les élèves puissent savoir si cette carte est authentique ou pas? C'est la question que pose évidemment le Canard Enchaîné, et ils ont raison. Ils auraient peut-être pu choisir en exemple d'une carte d'électeur authentique quelqu'un d'autre que Jean Tibéri, franchement. Si ça se trouve, Jean Tibéri n'y est pour rien. C'est à cause des manuels scolaires qu'on a fait des fausses cartes d'électeur. On leur montre comment faire. Il n'y est pour rien, il n'y est pour rien. Voilà, ça voilà. C'est bien. Allez, passons à la revue de presse des dessins humoristiques de la semaine. Et on commence avec ce dessin de Luz dans Charlie Hebdo. Qui peut remplacer Arafat? Et on voit Sarkozy qui dit « J'ai un trou dans mon planning le 12 ». Dans le Canard Enchaîné, Pétillon nous illustre le casse-tête de l'après Arafat. On voit différents dirigeants palestiniens qui disent « Décidons lesquels d'entre nous seront responsables des contacts. » Alors avec le Hamas, vous avec les Israéliens, avec les Américains, voilà, c'est compliqué. Et lesquels d'entre nous seront chargés des contacts avec Madame Arafat? Vous la connaissez, cette Madame Arafat, Claude? Ben oui, je la suis depuis longtemps. Ah oui? Mais oui, figure-toi. Elle vivait à Paris, il faut dire. Et elle vivait partout, elle ne l'avait pas vue depuis 4 ans. Tu te rends compte, et maintenant, tu as vu le sou qu'elle fait. Et tout ça pour les sous. Ah oui? Pour le trésor caché de son mari. Ben, il s'appelle Souha Arafat, donc... C'est écrit dessus, c'est comme le port salut, hein. Un décès d'un tout autre genre a ému les foules en France depuis quelques semaines, quelques jours. C'est la disparition de l'ours Canel. Charb, dans Charlie, est revenu aussi sur cet événement. L'assassin de l'ours Canel avoue tout. Elle couchait avec tous les chasseurs, sauf avec moi. On met un œuf à ours pour... c'est ce que j'étais en train quand c'est une femelle. Oui. Quand c'est une femelle, on met un... Voilà, exactement. La grande ours, ouais, ouais, voilà. Et puis quand elle a froid, elle met une polaire, donc... Voilà. C'est normal.
La crise en Côte d'Ivoire maintenant, avec ce dessin de Pétillon dans Le Canard enchaîné. On voit le président ivoirien, M. Gbagbo, qui téléphone en France et qui dit « Il y a un climat très anti-français, mais ça n'a rien de personnel. Hein. » Sur le même thème, Cabu, toujours dans Le Canard enchaîné, où on voit M. Chirac à l'Élysée parler à son ministre des Affaires étrangères. Il dit « Barnier, quand vous aurez fini d'apprendre l'anglais, vous vous mettrez à l'ivoirien. » Le dessinateur Grosse dans Marianne nous dit lui que Bush rassure les Américains. Bah ouais, il est con, mais il s'y tient. La remise du prix Goncourt cette semaine nous vaut aussi un beau dessin signé Lefred Touron dans Le Canard enchaîné. On voit quelqu'un qui dit, parce qu'il y a toujours des grandes manœuvres autour du prix Goncourt, alors c'est une magouille encore cette année, ce prix Goncourt? Bah non, tant qu'il récompense pas un film, il n'y a rien à dire. Alors il paraîtrait que c'est encore une magouille en fait, parce que dans un premier temps on nous a dit que c'était formidable parce que c'était un nouvel éditeur dans le cercle du Goncourt qui d'habitude donne toujours le prix au Seuil, Grasset, Gallimard. Là, il s'agit d'Actes Sud qui jamais n'avait eu le prix Goncourt, donc on se dit pas de magouille. Et qu'est-ce qu'on apprend ce matin? Que M. François Nourricier, qui est le président du prix Goncourt, publie son prochain ouvrage. Où ça? Chez Actes Sud. Bravo, bravo. Ça, alors... C'est incroyable. Quel hasard. Vous saviez pas, Claude? Mais non, je suis complètement sidérée, vu que la presse s'est répandue en articles, un beau jeune premier, un nouvel auteur, Actes Sud... Qu'on a reçu ici, d'ailleurs. Le bouquin est très bon, hein, très bien. Il est beau comme sur les photos? Je l'ai eu à côté de moi. Écoutez, on n'est plus ensemble. Elle va être contente. On termine par ce dessin de Philippe Geluck dans VSD. C'est le chat qui parle à ses enfants. Il dit « Eh oui, mes chers petits-enfants, avant, il y avait aussi de l'eau et des poissons dans la mer, hein, sur notre planète. » « Non, disent les enfants, à la place du mazout. » Oui, et l'eau des rivières était transparente. Oh, bah, trop marrant, alors. Et on voyait à travers l'eau. Ouais, ouais. Et le ciel était bleu, dit même le chat. Je te crois pas, le ciel, c'est brun, disent les enfants. Et il y avait des feuilles sur les arbres avant. Des quoi? Des feuilles? Ouais, il y avait des feuilles. Et les enfants n'avaient que deux bras. Et là, on voit les enfants. Et comment, alors, on faisait pour jouer à la PlayStation 9 470-284? Je sais pas. C'est atroce. Vous pensez que nos enfants vont devenir comme ça, Christophe à l'évêque? Oh, écoutez, c'est possible. Pourquoi vous avez possible. Des enfants ensemble? Non. Mais on apprend plein de choses aujourd'hui. C'est énorme. Et voilà. En ce moment, dans Paris, certaines pervenches ont l'amour du travail bien fait et se montrent un peu tatillonnes. Et ça, hélas, c'est pas toujours bon signe pour nous. Monique et Philippe, qui sont fleuristes dans le 10e arrondissement de Paris, ont par exemple... Ah! Tout fonctionne, patron! Monique et Philippe, qui sont fleuristes dans le 10e arrondissement de Paris, ont été victimes de l'excès de... Monique et Philippe qui ont... Oh non, Laurent, s'il te plaît! Un, deux, trois. Mais dis, Philippe et Monique! D'accord, alors. Monique et Philippe qui sont fleuriques. Pas vrai. Ok, on se calme. Monique et Philippe, qui sont fleuristes dans le 10e arrondissement de Paris, ont été victimes de l'excès de zèle de deux contractuels qui leur ont infligé une amende de... Écoutez bien. Christophe. Oui. Non mais j'écoute. 2000 euros. De 2000 euros. Exactement. Voilà. 2000 euros. Et pourquoi? Pour avoir posé des pots et des bouquets sur le trottoir au-delà de l'espace autorisé. En tant que fleuriste, Monique et Philippe n'ont pas osé demander une fleur aux policières. Oh. Joli! Total, eh ben voilà, Monique et Philippe vont être obligés de payer 2000 euros. Mais attention, nous sommes là, on va les recevoir dans un instant sur ce plateau. Mais avant, Péricochin a testé pour nous être une pervenche trop zélée. Regardez cette caméra cachée signée Julien Héron. Bonjour Péricochin, j'ai testé être une contractuelle trop zélée. Bonjour. Mademoiselle est au volant, je voudrais ses papiers, son permis de conduire. Mais elle apprend à conduire en fait. Pas de permis.
permis. Non, je voudrais son permis de conduire, sinon elle descend du véhicule, monsieur. Non, mais vous comprenez pas, madame. Elle, c'est une auto-école. Écoutez, monsieur, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais la loi, donc ne me contredisez pas, s'il vous plaît. Vous dites on a le droit de faire ce qu'on veut, bah oui. Pas. On a le droit de faire vous ce qu'on veut, pour appliquer oui. La loi, enfin pas pour en inventer une autre. Nous avons tous les droits. Je voudrais voir son permis de conduire, sinon je suis obligée de vous verbaliser. Quand un élève apprend à conduire, il n'a pas de permis puisqu'elle est en formation auto-école. Oui, mais d'accord. Moi, pour moi, non, je sais attendez. Que quelqu'un qui conduit à Paris doit oui. Avoir son permis. Oui, mais on est, c'est une auto-école, c'est une formation. Je ne veux pas le savoir, monsieur. Je décide que vous êtes en tort, ouais. Vous êtes en tort, c'est clair. Bon, d'accord, voilà. On va descendre. Très bien. Et ne vous garez pas sur les bandes jaunes. Monsieur, excusez-moi. Oui. La loi aujourd'hui interdit de rentrer dans les immeubles avec un casque. Il y a rendez-vous, il n'y a pas de souci là. Non, mais si, il y a un souci, monsieur, vous l'enlevez avant d'entrer dans l'immeuble. C'est pour votre heure, non ? C'est une blague ? Donc, monsieur, je suis désolée, je suis obligée de vous verbaliser. Vous plaisantez ? Ah non, je plaisante pas, monsieur. Nous sommes là pour faire respecter le civisme et la sécurité des personnes. Oui, attends, je fais de la moto. Oui, oui, non, mais moi, je fais ce que je veux. Écoutez, on va pas discuter deux heures, donc c'est un PV. Comme ça, vous saurez pour la prochaine fois. Mais attendez, vous avez vraiment rien d'autre à faire. Excusez-moi, là, je vais être un peu désagréable, mais... Alors, si vous êtes désagréable, c'est un autre PV. Depuis une semaine, on fait ce qu'on veut, monsieur. Donc maintenant... Pas faire ce que vous voulez, c'est pas faire n'importe quoi non plus. On fait ce qu'on veut. Je parle à Julien Courbet, ça va lui plaire, ça. Se peut-il qu'on soit si méchante avec de jolis seins, si méchante, avec de jolis seins. Excusez-moi. Oui. Atteinte à la pudeur publique, monsieur. Vous tenez madame par l'épaule. Ah bon ? Eh oui, monsieur. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous tenir correctement, parce que vous êtes pas loin d'école, etc. J'ai tous les droits et je souhaite vous verbaliser, parce que ce que vous avez fait est pas très respectueux. Mais j'ai rien fait. Bah si, si. Je pense qu'on a le droit de se comporter comme nous sommes. Nous ne nous embrassions pas, je ne suis pas à poil. Donc se tenir par l'épaule, je ne pense pas que ce soit très outrancier. J'ai tous les droits. Depuis une semaine, nous avons tous les droits. Et nous décidons c'est librement. Je suis désolée si vous n'avez rien d'autre à faire. Excusez-moi, mais je pense qu'il y a quand même un problème. Parce que là, honnêtement... Avec des gens qui, quand je me tiens par le bras à quelqu'un, se permet d'en juger. Je n'appelle pas ça la démocratie. J'appelle ça un état policier de la dictature. Et ben voilà. Péricochat. Et... On va voir si vous écoutez bien ce que je dis. Qui va nous rejoindre sur le plateau ? Monique et Philippe ! Monique et Philippe ! Merci. Je parie que vous êtes Monique. Oui. Bonjour Monique. Merci Monique. Avec vous êtes Philippe. Avec, alors, c'est un petit mot, mais un petit mot alors, sur carrément un PV que vous me donnez là. Installez-vous. Vous êtes fleuriste depuis combien de temps ? Un an et demi. Depuis un an et demi. Vous mettez normalement des pots de fleurs sur le trottoir. Voilà, oui. Vous faites ça depuis le début de l'ouverture du magasin ? C'est-à-dire qu'au départ, on n'avait pas le droit de mettre quoi que ce soit sur le trottoir parce qu'il n'était pas suffisamment large. Donc, ils ont été très tolérants. Vous voyez, là, carrément sur une place de voiture. Personne ne nous a jamais rien dit. Et puis, une fois que le trottoir a été élargi, on a demandé une autorisation qu'on n'a toujours pas. C'est-à-dire qu'on a élargi le trottoir. Voilà. Et maintenant que le trottoir est élargi, on a le droit qu'à 60 cm devant la boutique. Et on déborde, on met des deux côtés du trottoir. Mais là, sur le trottoir, hein, carrément. Hein, Et pour ça, vous devez payer 2000 euros. 2000 euros d'amende, oui. Et vous n'êtes pas allé voir Julien Courbet. Vous êtes allé voir Laurent Ruquier, qui va passer parmi le public et qui va récolter 2000 euros. Alors... Non, sérieusement, ils vous disent quoi ? Ils vous disent que vous gênez, c'est ça ? Ils nous disent qu'on a surtout pas le droit de le faire. Hein. Il y a un truc qui n'a pas dû plaire, je vois un pot de fleurs même sur la boîte de la porte. Ah oui, c'est ça, ils n'aiment pas du tout. Ah, ça, c'est pas bien, ça. Ah non, mais là, vous êtes un peu vicieuse aussi. Surtout qu'il y a un scandale énorme, c'est que j'ai lu dans vos déclarations que justement, au début, ils ont calculé que ça faisait 7 mètres carrés. Oui, c'est ça. Et donc, oui. 300 euros le ils mètre, ont, donc 2000 euros d'amende, et là, c'est un scandale. Ouais. Parce que 3 fois 7, 21, vous devriez avoir une amende de 2100 euros. Voilà. Enfin, c'est 2026 euros, exactement. Je pense que vous pouvez réclamer. Je crois qu'en ce moment, non. Les contractuels sont un peu tatillonnes. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est ça. Oui. Parce que là, elles sont passées chez un voisin, le petit épicier, elles lui ont dit qu'il fallait... Il fallait ne pas mettre un paillasson sans avoir demandé l'autorisation, parce qu'il faut payer aussi l'emplacement du paillasson. Mais faut qu'on les utilise. Mais le paillasson est dangereux, monsieur. Surtout le paillasson sauvage. Le paillasson sauvage. Il y a un paillasson, ça te bouffe un pied comme un rien. Christophe à l'évêque. Ça n'est pas si simple. Attention, ne nous... Oui, maître. Ne nous méprenons pas. Je vais me lever. Nous avons devant nous... deux voyous. Deux dangereux récidivistes. Hein ?
qu'on avait prévenu, ils ont recommencé, tout ça pour empêcher les chiens de pisser contre le mur. Si on laisse faire, ça le désordre. Il faut sarkozier nos attitudes et nos esprits. Tolérance zéro, la loi, c'est la loi. Aïe! Donne la liberté aux gens, ils en profitent. Liberté de mouvement, ils bougent. Liberté de penser, ils pensent. Tout ça, c'est des dangers. On les laisse mettre des pots de fleurs sur le trottoir, c'est la porte ouverte au terrorisme. Et je pèse mes mots. Un peu de compassion également pour cette pervenche qui fait un métier très difficile. Eh oui. Cette pervenche que personne n'a arrosée depuis très longtemps. Pauvre fille, imaginez sa vie, rentrer chez elle le soir toute seule, dîner seule devant son carnet de souche. Se consoler en se disant, oui, depuis Sarkozy, je suis la seule à pouvoir faire le trottoir. Je pouvais faire le trottoir avant que des voyous y mettent des fleurs. Et je vous pose une question. Si vous aviez été à sa place, combien vous auriez... Hein? Combien? Oh, voilà la question. Monique Philippe, est-ce que vous vous seriez puni? Je n'aurais jamais fait ce métier, déjà. Non, elle vend des pervenches, mais elle n'est pas pervenche. Alors là, moi, je dis madame. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Valérie? Moi, ça me fait pas rire, ça me révolte. Ah, moi, j'ai envie de leur faire bouffer le PV. Ça me tue, quoi. Ça me fait même pas rire. Vraiment, et grâce plus, à nous, vous drôle. Allez voir que votre PV va passer à 5 Allez, on vous remercie tous les deux, on vous embrasse, bonne chance. Si sûr, ça va aider. L'invité que nous allons accueillir est une pop star d'exception. Eh oui, il est américain, il a vendu, écoutez bien, plus de 25 millions d'albums dans le monde et ses CD ont tous été au minimum disques de platine. C'est lui qui a chanté Are You Gonna Go My Way? Wow. Oh. Oh. J'ai pris les cours. Believe. Mama Side. Yeah. Ouais. Il est beau, tatoué de partout. Vous l'avez reconnu peut-être. C'est Lenny Kravitz qui va nous rejoindre. Son dernier album, le voilà. Il est sorti en mai dernier. Cet album s'appelle Baptisme. Voici Mr. Ladies and Gentlemen, oh. Lenny Kravitz. Yeah. Voilà. Lenny Kravitz, nous sommes évidemment flattés, fiers, honorés de vous recevoir sur ce plateau. Alors là, vous nous arrivez avec un nouvel album qui s'appelle Baptisme, sorti déjà il y a quelques mois. Et c'est un album qui vous tient particulièrement à cœur. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? You know, each record stands for... Chaque album correspond à un moment de ma vie. Donc, bien évidemment, cette période présente, de ma vie m'excite beaucoup. C'est formidable quand vous sortez un nouveau disque. Une fois que vous avez sorti un nouvel album, et bien vous passez au suivant. C'est-à-dire que vous êtes dans une période heureuse de votre vie? Tout à fait, très heureuse. Alors vous nous envoyez heureux aussi, parce que alors, si vous nous avez foutu une déprime générale, autant éviter ça, on va être tout aussi heureux que vous, d'autant qu'on va regarder un extrait du premier clip de cet album, tout de suite, Calling All Angels. Calling all angels, I need you near to the ground. Jean-Bernard, alors, évidemment, vous ne pouvez pas le connaître. Vivez où, d'ailleurs, aux États-Unis? À Miami. J'habite Miami, New York. À Miami, à New York. Bon. Alors, à Miami, à New York, peut-être un jour, vous allez croiser un type ridicule avec un pantalon rouge
et une cravate tricolore et vous êtes dit, tiens, ça c'est un Français. Mais ce que vous ignoriez, c'est que ce Français c'était Jean-Bernard Hébé et que c'est le spécialiste de la musique pop et rock en France. Alors, Jean-Bernard, avez-vous écouté l'album de Lenny Kravitz? Évidemment, j'ai écouté l'album. Il est très énervant parce qu'il est... Il est plein de talent. C'est très énervant parce que moi qui aime bien dire du mal des chanteurs en général, là j'ai pas de mal à dire de lui. L'album est formidable. D'ailleurs, il y a un mois à peu près, on avait passé un extrait qui s'appelait California, qui était absolument super. Mais moi j'ai une question à vous poser. Je connais votre maison à Miami parce que j'ai vu un jour un reportage dans un journal. Sa maison est un chef-d'œuvre des années 70, entièrement décoré de mobilier de Werner Pantone, qui fait que notre décor à côté est sobre. Parce que lui, il vit que dans le violet, le mauve, le rose, enfin bon, c'est très années 70. Ce que je voulais savoir, c'est s'il était vrai que vous jouiez et que vous puissiez jouer de la musique dans toutes les pièces de votre maison. Yes. Oui. Dans les toilettes aussi? Bien sûr. Je voulais vous demander parce que j'ai été très étonné. Il y a une sans instrument. Non mais il paraît qu'il joue de la batterie dans les toilettes. Regardez, il est assis. Ça c'est dans le studio d'enregistrement. Oui mais ce qui est par terre. Je n'ai jamais joué de la batterie dans les toilettes. Et le rouleau de papier? Ah. Ok. Le papier sert à assourdir la batterie, en fait, à la rendre plus discrète. Et je la mets par terre quand j'ai fini avec. Lenny Kravitz, vous ne connaissez pas non plus Elsa Fayer, mais alors c'est vraiment LA spécialiste musique en France dans... Je le savais. Elsa Fayer était impatiente de vous rencontrer. Ah, c'est vrai? Je sais pas quoi faire. Eh ben, fais comme d'habitude, essaye-toi. Elle est très belle. Lenny Kravitz vous trouve très belle. Merci. Je suis très émue. Parce que je l'aime tellement que ça me fait bizarre de me retrouver face à lui. Alors, voilà, vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais depuis très, très longtemps. Et j'aime tout ce que vous faites. J'ai adoré votre dernier album. Et à côté de ça, non, mais explosion je suis très émue. Foufoune. Ne te marre pas, s'il te plaît. D'abord parce que je le trouve sexy, mais comme rare. Voilà, c'est rares sont les hommes qui dégagent un sex appeal aussi intense. Ah, mais... Voilà, donc ça c'est dit, voilà, on se retrouve après, voilà, voilà. Mais c'est vous, il aime beaucoup les Françaises. Oui, avec Vanessa Paradis. Bah, alors, peut-être mais... vous pouvez être sa future. Vous êtes célibataire en ce moment, Lenny Kravitz? Yes. Oui. Ah alors, il faut... Ah Lenny... Qu'est-ce que eh bien, Lenny Kravitz... Attendez. Puisque vous êtes célibataire, nous vous offrons Claude Sarraute. Je ne laisse pas ma place. Je voudrais quand même montrer. She's very beautiful. Elle est très belle, très également. Bah, Catherine. Ouais, mais c'est la mienne. Claudie, vous plaît? Moi? Ouais. Ah, mais il n'y a rien avant, rien après. Hein. C'est-à-dire? Ben, je trouve qu'il est d'une beauté extraordinaire, il a un talent fou, il séduit les plus belles femmes. Bon, tu t'arrêtes maintenant? C'est tellement hein? vrai. I'm doing well here. Ça va, je me débrouille bien ici. Dans la presse française, comme maintenant on sait que vous êtes célibataire, on a choisi un certain nombre de femmes avec qui vous pourriez aller. Britney Spears, parce qu'elle est jeune et ça rajeunirait votre cheptel. Non. On sait qu'avec Nicole Kidman, c'est plus qu'une amitié. Trop grande, trop grande, ça va pas. Laurie, c'est une petite chanteuse française. Vous connaissez pas Laurie. Oui, vous connaissez pas. Enfin, ils ont déjà, dans la presse française, la presse People, dressé la liste des filles avec qui vous devriez avoir une histoire. Et pas seulement française. Et tu m'as oublié, Claude. J'étais citée. J'étais pas dedans, mon chéri. Mais si, j'étais dedans, je vais me rajouter au marqueur, vous allez voir. Valérie Mérès, vous connaissiez Lenny Kravitz, évidemment. Mais bien sûr, j'ai fabriqué mon fils en 94 sur son disque. C'est pas vrai. Alors justement, je me disais, peut-être que là, on pourrait en faire un en live. Vous êtes célibataire aussi. Elle est célibataire. Mais enfin, je veux le rester, hein, parce que... Ah bon? Vous voulez pas d'ennui? Que des emmerdes. Oh là là. Non, je pense que la pauvre Elsa, elle, est mariée. Ce qu'elle n'a pas dit depuis tout à l'heure. J'ai oublié. Peut-être vous ne connaissez pas le typically French humoriste.
So, je vous présente le typically French humoriste, bougon, râleur. Il a lui aussi un groupe de rock, c'est Christophe à l'évêque. Alors là, attention, parce qu'il va être jaloux, je le sens. Non, pas jaloux, non, cet album est pas mal. Non, mais il est vraiment formidable, mais on l'a déjà dit, donc je vais pas me répéter. Je voulais simplement vous poser quelques questions. Vous avez composé pour Madonna, et après, bon, crac. Vous avez composé pour Vanessa Paradis, après, crac. Et vous avez composé pour le groupe Aerosmith. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un mot encore pour revenir à la musique de Lenny Kravitz, Jean-Bernard Hébé, parce que vous nous avez parlé de son intérieur et tout, mais moi, j'aimerais que vous m'en disiez un peu plus sur cet album, quand même. Alors, le son est comme toujours fabuleux, parce que c'est un grand technicien du son et d'un son américain. Il a parfaitement assimilé les 50 dernières années de la musique. On le lui a parfois même reproché. Mais par exemple, il a fait un duo, en tout cas, il y a mon chanteur favori en ce moment, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, qui intervient sur l'album, qui est un rappeur qui s'appelle Jay-Z, auquel il a fait appel. Et le rap de Jay-Z, c'est juste un couplet, mais c'est absolument extraordinaire. Donc, le reproche qu'on lui fait parfois d'adapter des musiques ou d'avoir des réminiscences que les enfants d'aujourd'hui, de musique qu'ils ne connaissent pas, comme les Beach Boys sur California ou des choses comme ça, c'est totalement réfuté par les artistes qui acceptent de collaborer avec lui. Il a travaillé avec Prince, il a travaillé avec Jay-Z. Je pense pas qu'on puisse lui reprocher quoi que ce soit. C'est un vrai plaisir d'écouter ça. Moi, en fait, je manque de mots quand je dois dire des gentillesses. Alors, ferme ta gueule. Il y a Jay-Z. Merci. Et il y a Lionel Richie aussi hein, sur cet album. Oui, en fait, on a écrit une chanson ensemble. La dernière chanson, Destiny, a été écrite par Lionel et moi-même. Vous le salueriez, Lionel, parce que... Il est formidable, il est vraiment merveilleux. Il est venu ici deux ou trois fois, c'est un pote maintenant, Lionel. Non, bah, c'est vrai, en plus. On l'appelle Yo-Yo. Vous le salueriez de notre part. Hein. Sa version de Alouette, gentil Alouette. À chaque fois, il nous chante Alouette, gentil Alouette. C'est la seule chanson française qu'ils connaissent. Je ne vous demanderai pas si vous connaissez une chanson française. Ça... Enfin, si, si. Joe le taxi. Il faut qu'il nous chante quelque chose en français, quand même. Ah non, mais il connaît pas, on m'a dit, il connaît pas de chanson française. Mais je suis sûr qu'il en connaît, la Marseillaise. Mais puisque vous ne connaissez pas de chanson française, on va vous en apprendre, nous, des chansons françaises. Okay. Vous êtes d'accord? D'accord. Parce que j'ai en main quelques CD, quelques albums qui viennent de sortir. Et c'est Jean-Bernard Hébé qui va nous les commenter. On va vous montrer quelques clips et vous allez pouvoir un peu réagir à ce que Jean-Bernard Hébé va nous présenter. On commence par une chanteuse que j'imagine vous ne connaissez pas, Julie Zenati. Bon. C'est vrai que c'est formidablement bien fait. On a dépensé beaucoup d'argent pour le clip. Il y a une orchestration extraordinaire. C'est une bulle de savon. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Le texte, vous le lisez, c'est affligeant. Elle est plutôt gentille. Elle a des beaux seins. Elle les montre, d'ailleurs, plutôt ardemment. Oh, elle a une jolie voix. Oui, elle a une jolie voix. Et alors, ma concierge aussi. Oh non, parce que moi, je ne dirais jamais de mal de Julie Zenati, parce qu'une fois, on l'a reçue ici, et Miller a été injuste et odieux avec elle. Pour une fois, elle, je suis d'accord avec donc Miller. Donc, je la défendrai jusqu'au... Christophe. Là, moi, c'est trop court. Je ne peux pas apporter... On ne peut pas juger comme ça. Sur quelque chose qui est si court. Peut-être que les prochaines paroles sont peut-être intéressantes. Peut-être qu'elle va se déshabiller un petit peu plus. Peut-être que... Peut-être qu'elle va faire un autre métier, peut-être que... Jean-Luc. Moi, j'aime bien la voix de Julie Zenati, mais je trouve que là, il y a trop de musique, ça écrase un peu sa voix. Je préfère les balades quand elle chante. Et vous, est-ce que vous avez envie d'entendre le reste, Lenny Kravitz? Let's hear the rest. Écoutons le reste. Alors, je vous l'offre, voilà. Chez vous, merci. À la maison. Do you know rock voisine? I have all his records. J'ai tous ses disques. Vous aimez le hockey, vous, hein? Clip de rock voisine, ça marche fort, hein, c'est un vrai retour de rock voisine en ce moment. Je l'ai vu, on en parle tout de suite après, un extrait. Et je l'ai vu quand lors de son souffle chaud m'a montré un chemin plus beau, comme une intime évidence. J'ai
Jean-Bernard. C'est bien, Rock Voisine, il est sympathique, il chante bien, c'est un type, bon, il est beau mec, il est plutôt agréable, il est plutôt intelligent et tout. Mais je ne sais pas pourquoi il veut toujours chanter aussi fort, qu'il fasse des chansons un peu plus intimistes. Et je trouve que le single précédent, le titre était beaucoup mieux que celui-là. Ah, c'était un gros succès, le single précédent. Énorme, mais c'était justifié. Valérie. J'adore. Mais moi, je ne te demande pas le physique. Non, j'aime bien les petits trilles qu'il commence à avoir, tout ça. Moi, j'aime bien, hein, cet âge-là, c'est bien. Elsa. Moi, j'aime bien cette chanson. J'aime moyen Rock Voisine, mais cette chanson, je l'aime bien. Et en plus, on a l'impression de l'avoir déjà écoutée. Donc, on aurait dit même Daniel Lévy. La première fois que je l'ai entendu, je pensais que c'était Daniel Lévy qui l'a chanté. Ça. Jean-Luc. Oui, moi aussi, je l'aime bien. Et pour trouver une bonne critique musicale, j'aime bien parce qu'il a des petits trucs comme sous les yeux, là, comme ça, j'aime bien. Christophe. Oh, moi, c'est pareil, c'est des trucs similaires. Claude. Ah, moi, je l'adore parce qu'il est trop beau. Ah, ben voilà, bah écoutez. Donc, il y en a pas un qui parle de ses chansons. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Mais parce qu'il n'y a rien à dire, c'est bien ça le problème. Bon, mais bah écoutez, je vous l'offre quand même, Lenny Kravitz, le disque de Rock Voisine. Hein. Yeah, I have it, but je l'ai déjà, et comme ça, je l'aurai en double. Ça, vous connaissez quand même. Yes. Bah oui. Oui. Vous l'avez rencontré déjà d'Aido, Dido, je ne sais pas comment vous dites, vous. Non, but I liked her first record. Mais j'ai beaucoup aimé son premier disque. Alors, ça, c'est le nouvel album de d'Aido, Life for Rent. On regarde d'abord un extrait. J'adore. Autant vous le dire, j'adore. Alors attention. Disque formidable, musique formidable. Elle chante divinement bien. J'espère que Eminem va sampler un bout d'une de ses chansons pour qu'elle puisse en vendre 12 millions. Et puis c'est un petit peu classieux et ça fait longtemps qu'on n'avait pas une chanteuse anglaise qui avait un petit peu de classe. Un duo avec Daido, ce serait possible un jour, Lenny Kravitz? Would I do a duet with her? Ouais, un duo avec elle? Ah oui, un duo Dido. Je sais pas. Non, je sais pas. Alors comment il dit je sais pas? Je suis sûr qu'il parle très bien français. Nice, elle est vraiment très bien, j'aime beaucoup sa voix. Bon. Elsa? Vous restez encore un peu? Non, il va pas partir. Ah si, il va s'en aller là. Ah bon? Ah oui, oui, il va s'en aller. Je peux poser encore une idée. J'ai une idée, on va s'en aller et elle, on la fait partir. Il va s'en aller, mais en revanche, on aura la chance de garder l'album. Il y a déjà eu une scène, là, cette année, à Paris. Est-ce que vous allez revenir? Je sais que vous aimez beaucoup la France, en tout cas, c'est ce que vous dites. Est-ce que vous allez revenir chez nous? Oui. Je vais revenir et faire une tournée au printemps et en été. Et je suis, en fait, je vais déménager pour m'installer ici. Ouais. Non, sans rire. Yes. C'est quand? C'est où? Dès que je peux. D'accord, mais il va falloir apprendre autre chose que je ne sais pas. Well, I'm going, actually, écoutez, I'm looking for a French teacher. Je recherche un professeur de français. Je suis bilingue. Allez, on va vous remercier, vous étiez très sympathique. L'album Baptiste est un album exceptionnel. Mesdames et messieurs, nous avions The Pride de recevoir Lenny Kravitz. Merci beaucoup. On a fait semblant, mais on les garde. Attaque. Oh mon Dieu! Bravo! On achève bien les chevaux! C'est le nom du nouveau spectacle de Robert Hossein, l'homme qui a attiré plusieurs millions de spectateurs avec des créations comme Un homme nommé Jésus, Angélique Marquise des Anges et plus récemment Coupable ou non coupable. On achève bien les chevaux. Je vais le faire comme lui. On achève bien les chevaux. Se joue actuellement au Palais des Congrès à Paris. Ce n'est pas un spectacle sur le PMU, non. Vous le savez, c'est l'histoire d'un marathon de danse dans les années 30 aux États-Unis, d'où le titre On achève bien les chevaux. C'est une œuvre d'Horace McCoy qui est adaptée ici sur scène par Robert Hossein. On voit même Robert sur scène, il va tout nous le dire lui-même, puisque voici Robert Hossein.
en prie. Au palais des congrès, on achève bien les chevaux. On peut d'ailleurs lire le livre avant d'aller voir le spectacle, ou le relire si on l'avait déjà lu, parce que c'est quand même une œuvre. Une œuvre qui a été reconnue en France avant d'être reconnue aux États-Unis. Absolument. Et il s'est battu toute sa vie pour ceux qui ne possédaient rien, parce que ses concours étaient terrifiants. On invitait tous les gens qui, après le krach de Wall Street, on invitait tous les gens qui avaient perdu leur boulot, qui ne savaient ni où dormir, ni où se nourrir, qu'ils aient été riches ou pauvres. Ils se sont retrouvés à égalité, à traverser toute l'Amérique, souvent dans des wagons à bestiaux, pour chercher du travail ou se loger. Et tout à coup, des malins, des exploiteurs ont trouvé l'idée de faire des grands chapiteaux et se dire, on va faire voir au public plus malheureux que dans cette crise. Pendant combien de temps ça a duré? Jusqu'à l'épuisement. Ben, dans mon spectacle, c'est une image, jusqu'à exactement 418 heures. Et on raconte la vie de ces couples entre eux et le public devient supporter. Avec la seule différence, c'est que j'ai trouvé qu'il fallait faire un parallèle un peu entre ce qui se passait aujourd'hui sur cette putain de planète que l'on aime, avec l'espoir qu'un jour, une prise de conscience fera qu'on aura plus le sens de la solidarité et du partage. Et je tiens à vous dire que je viens à l'entracte et j'invite le public pour ne pas nous quitter avant la deuxième partie où tous mes acteurs épuisés se reposent. Je me demande au public de mettre un dossard comme eux, de venir danser sur scène les danses d'aujourd'hui qui n'étaient pas composées à l'époque. Et ils reçoivent tous, ceux qui sont volontaires, reçoivent une énorme photo d'eux en train de danser. Et le public devient leur supporter aussi. On achève bien les chevaux au Palais des Congrès, l'œuvre d'Horace McCoy qui avait été adaptée par Sidney Pollack au cinéma. Et donc sur scène par Robert Hossein au Palais des Congrès à Paris. On vous a envoyé Elsa Fayer dans les coulisses du Palais des Congrès. Alors comment ça s'est passé avec Robert Hossein? Ah bah très bien. Il vous a bien accueilli? C'est vrai que c'était très sympa. En plus de ça, l'attaché de presse m'a un petit peu laissé me hasarder dans les couloirs et aller à la découverte des artistes qui étaient en pleine préparation. Donc je peux attester du fait que les comédiennes et les comédiens qui étaient sur scène ne savaient absolument pas danser avant. Les voilà en pleine séance de préparation au maquillage, coiffure. Alors elles passent des heures et des heures sous le sèche-cheveux pour essayer de se cranter les cheveux. Elles lavent leur linge aussi toutes seules puisque vous avez mis à leur disposition, et ça c'est très généreux de votre part, une petite laverie. Hein, tout le monde fait son petit ménage. C'était très sympa. Non mais attendez, vous dites qu'ils ont appris à danser. Oui, pendant cinq danses. Pendant des mois. C'est qui cette dame en Alors, photo? Ça, c'est Elsa une des... avant la retouche maquillage. Non, ça c'est une des intervenantes qui joue une espèce de supportrice des différentes personnes qui font le marathon et qui intervient, elle, comme le sait très bien le faire monsieur Hossein, dans la salle. Donc vous êtes assis et tout à coup, il y a une personne qui se met à parler devant vous avec une poursuite. Oui. Pour parrainer. Elle... Alors là, c'est mon meilleur ami. C'est qui? C'est le vigile de l'entrée du Palais des Congrès que j'ai rencontré, qui est fort sympa. Et si vous regardez bien sur le moniteur télé que vous voyez, il était en train de regarder l'émission. Oh, donc du coup, je me suis mise à côté de lui et on a regardé le programme aussi, tous les deux. On donc je le essayé. Salue. Ouais, il est en on train de regarder. On t'envoie au théâtre. Oui, on va regarder, c'est toi tu regardes, on a tout ça, essayé. C'est un truc de groupie. Alors quand vous allez voir le spectacle de Robert Hossein, vous êtes dans la queue, en train d'attendre avant de monter, d'entrer dans la salle de spectacle. Et là, devant vous, un spectacle absolument incroyable. Les artistes passent devant vous, empruntent la galerie commerciale pour monter sur scène. Et là, vous voyez tous les artistes comme ça, en tenue, en train de déambuler devant vous. C'est assez extraordinaire ce que vous faites là. Bah oui. Vous dévoilez un peu le truc avant l'heure. Bah, pour que les gens... C'est interactif, quoi. Interactif. C'est pour vivre, quand même. Et un peu comme s'il venait à un concours de danse. Non, en non, fait. Non, et vous êtes monté sur scène pour danser ou pas? Alors non, parce que j'ai pas compris. Vous avez dit à un moment... Je n'ai pas compris. Je l'ai pas compris. Vous avez dit à un moment, bah, maintenant... Elle vient d'avoir 30 ans, elle est pas mûre. Vous n'avez pas encore 30 ans à cette époque-là. On va désigner des personnes qui vont monter sur scène pour danser. Vous avez employé le mot désigner. Non, vous avez dit désigner, je vous assure, mon mari était moins. Mais désigner quand on lève la main. Mais voilà, alors moi j'attendais que vous m'appeliez. Non mais attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Faut la réinviter. Il y a le même nombre de gens choisis dans le public, pas choisis, qui lèvent la main comme volontaires, que le nombre de couples qui dansent des années 30. Pendant que ces acteurs épuisés se reposent, les gens viennent. Mais on s'est aperçu, j'ai même chose de vous le dire, qu'il y en a, il faut le même nombre de couples. Il y en a le triple qui vient. Et alors, vous êtes très demandé, parce qu'à ce moment-là, il y a quand même plusieurs femmes qui sont venues vous demander de les accompagner. On file des patins de temps en temps. Ah, en souvenir, en souvenir. Monsieur Hossein, vous m'accordez cette chance. Elle s'appelle toute Angélique dans ces cas-là. Oui, mais non, mais je veux dire que justement quelque chose sur Angélique. Ah, vous avez un succès. Quand je vois arriver une jeune femme comme vous, ou beaucoup plus jeune,
Je me sens plus parce qu'elle n'a qu'un... C'est parce que j'ai 30 ans, il l'a vu. Ou beaucoup plus jeune parce qu'un enfant, 15 ans, 14 ans, ouais. Ils me font... Ah, alors je me dis, mais encore aujourd'hui, à mon âge, alors oui, un autographe pour ma grand-mère qui vous a tellement aimé. On achève bien les chevaux, Jean-Bernard Hébé, un commentaire. Il faut savoir que ça a existé en France. Il y a eu des marathons de la danse en France. Et je dois le confesser, c'était mon oncle qui faisait ça. Mais c'était pas du tout dans les années 30, c'était une adaptation. C'était dans les années 60, c'était à Juan-les-Pins. Et c'était entièrement truqué. Christophe à l'évêque, on achève bien les chevaux. Oui, moi c'est le titre surtout. Moi j'ai vu le film, c'est surtout le livre qui m'a marqué. Moi. Beaucoup. Et on achève bien les chevaux, c'est d'actualité. C'est vraiment un sous-titre qu'on pourrait donner à l'époque, qui est pour moi exactement le reflet de tout ça, c'est-à-dire que les plus faibles, les plus, on l'a vu encore il y a 2 ans pour la canicule, les chevaux c'était les papis et les mamies, et les pauvres n'en parlons pas, etc. Et donc j'irai voir le spectacle, ça c'est sûr. Mais moi j'aime bien Robert Hossein, j'ai rencontré une ou deux fois, c'est sa façon de parler, sa passion, sa Rob, il est comme ça, Rob. Sur son emportement, il nous vendrait n'importe quoi. Il nous récite la recette du bœuf bourguignon, on a envie d'en manger. Il nous récite le programme de l'UMP, on a envie de voter à droite. Non, danger. Danger. Et dans cet emportement, quand même, j'ai repéré une fois, j'ai entendu dire une phrase qui m'a un peu... J'ai entendu dire, j'entends des voix... et vous dites entendre des voix et porter parfois les stigmates du Christ. Ah oh non, j'ai jamais dit que moi, non, sûrement pas. J'ai dit en effet... Écoutez, c'est moi qui ai entendu des voix. Non, vous avez certainement entendu des voix, mais je vais être honnête. Je suis tragiquement, je le dis bien tragiquement, ça a l'air con ce que je dis, croyant, voilà. On a ramené les reliques de Sainte Thérèse ces jours-ci à Paris. Donc on nous a demandé, à ma femme et à moi, elle de lire Sainte Thérèse à l'église, et moi de lire aussi. J'ai dit, moi, qu'est-ce que je vais lire? Et on m'a dit, tenez, vous lisez simplement... Dans 5 heures, je serai avec Jésus, l'assassin jeune, guillotiné à 27 ans, qui à 22 ans a tué un père de famille pour lui voler son pognon pour s'acheter un bateau, un jeune homme, et qui est resté dans la prison. Et il s'est complètement reconverti, redevenu, est devenu tellement extraordinaire, tellement bouleversant, tellement humain, que l'évêque nous a demandé de lire ses lettres devant toute la sacristie et tout ça. On l'a fait. Les gens étaient complètement... Moi-même, vous voyez, j'y pense, je suis ému. Et ce garçon, qui est tout à fait quelque chose d'autre, est allé à la guillotine en remontant le moral des autres à 27 ans. Et à la fin, on parle aujourd'hui de le béatifier. Je veux simplement dire que quand on dit qu'on a les stigmates, je jure sur ma vie que... Ah, oh, ça a l'air con ce que je dis. Que quand. C'est malin de poser des questions quand comme ça. Quand je rencontre des gens dans la rue. Bah, juste parce que je voulais. Non, c'est vous, mais quand je rencontre des gens dans la rue, alors je vais être honnête avec vous. Quand on souffre, ou quand on aime, ou quand qu'on a l'espoir des autres, on a des stigmates. Et les gens qu'on rencontre, blessés, portent aussi des stigmates. Alors je suis navré si j'ai dit que c'était. Moi aussi, je suis un stigmate d'un œil. Non, mais c'est vrai. Jean-Luc! Écoutez, moi je suis très content qu'on fasse de la promotion pour cette pièce. Et puis aussi pour tout le théâtre, parce que le théâtre est en crise, il faut le savoir. Il faut le savoir à tel point que c'est tellement la crise que des gens comme Robert Hossein et Alain Delon sont obligés de prendre des photos vieilles de 20 ans pour faire des affiches. On a une autre photo de vous, hein. La meilleure. Ah ouais. Vous voulez voir comment il est? Vous l'avez amené? Bah alors? Mais c'était pour vous. C'est pour moi? Mais non, dans le couloir. Bah oui. Vous me dites ce que je peux vous dire? On la voit, mais quoi, on la cette voit, photo. Monsieur Hossein, vous avez des genoux absolument fabuleux. Atroce, j'ai bien protégé. Franchement. Mais ça m'a fait mourir de rire. Elle est formidable, cette photo. Allez, Robert Hossein, le Palais des Congrès. Restez avec nous, ne partez pas. D'abord, parce que
Ça va vous intéresser. Je voudrais signaler que samedi soir, 13 novembre, après le Palais des Congrès, il y a des gens qui vont peut-être aller en discothèque. Et là, il faudra faire attention à ne pas boire. Parce que dimanche et samedi, ce week-end, sont des journées de mobilisation nationale contre l'alcool et pour la prévention routière. Pensez à rentrer en vie. C'est le slogan de cette soirée. Et il faudra désigner en discothèque, vous allez tous faire ça, un capitaine de soirée. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Pensez à rentrer en vie. Et pour vous montrer que c'est dangereux, à qui je vais la donner, Elsa, vous allez prendre ces lunettes. Ça vous donne la vision exacte de quelqu'un qui a bu. Ce qui est bien, c'est au bout de 2, 3, 4 verres. Tu sais, Elsa, ce qui est formidable, c'est que ça va dans les deux sens. Attendez, j'arrive. Regardez dans l'écran ce que ça donne. Regardez ce qu'elle voit. Attendez. Là, je suis sur le blanc. Oh, ça me fait mal au cœur. Non, mais voilà, c'est insupportable. Voit, non, c'est pas vrai. C'est au bout de combien de verres, ça? Enfin, je trouve ça complètement con de dire aux jeunes de conduire avec ça. Moi. Mais non. Il y aura des t-shirts qui seront offerts aux bénévoles qui accepteront de raccompagner les jeunes. Voilà. Tu prends une caisse, tu pars en caisse, tu finis dans une caisse. Ça donne à toi de voir, pas de boire. Il y a Bruno Solo qui a fait un t-shirt. Vous avez un autre, c'est Bruno Salomon. Celui-là, on s'en fout. Alors, il y en a un autre. Tenez, voilà, par exemple, Omar et Fred. Bois du jus de citron, t'auras l'air moins con. Voilà. Ça, c'est bien ça. C'est pas mal, ça, des t-shirts qui vous seront offerts en boîte samedi soir pour penser à rentrer en vie dans le cadre de la prévention routière. C'est important, Robert. On achève bien les chevaux, mais qu'on n'achève pas les automobilistes. Non, non. Puisque vous aimez voter, Robert, eh bien, en tout cas, faire voter, souvent dans vos spectacles, nous, on va vous faire voter, nous aussi. Vous voulez bien? Ouais, ouais. Pour le kick à déconner. Alors, qui je vous propose dans le kick à déconner ce soir? Elisabeth II. Pourquoi? Bah parce que Gala nous dit que le prince d'Édimbourg et Ratatam est cocu, hein, Claude? Mais c'est des blagues absolues. Ah non! Plus cocu. Oh, quand tu voteras, tu diras ça. Bah, est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Est-ce qu'elle a déconné la reine? Est-ce qu'elle a mis un petit coup de canif dans le contrat de mariage? Elsa Fayère. Moi, je mets zéro parce qu'elle a bien fait. Parce qu'il paraît que son mari s'y est donné à cœur joie. Il a eu des conquêtes en veci en voilà. Si elle en a eu une, c'est de bonne guerre. C'est pas grave. Parfait, Jean-Bernard. Un petit peu pour les mêmes raisons. D'abord parce qu'elle devait en avoir marre de chevaucher un étalon plat. Même si Philippe, c'est plus sûr. Valérie. Oh, bah oui, pour une fois qu'elle s'éclatait, la pauvre fille. Christophe. Oh bah oui, on va pas lui en vouloir. T'as mis 2-0 toi carrément? Bah moi j'ai ça comme truc, alors je sais pas, vous avez 15-0 vous? Bah moi j'ai 2-0. Ça en fait 3. Ouais. Oui. Oh bravo. Oh monsieur était en forme, c'est vendredi. Bon bah puisque c'est ça, voilà je change, je mets 30. Voilà. 30 points pour Elisabeth. Claude. Parce que c'est une... D'abord, comme dit Elsa, plus la tromper c'est impossible et elle l'adore. Et elle ne l'a sûrement jamais trompé. Ça fait 0 point donc pour la reine Elisabeth. Jean-Luc? 0 point parce qu'elle a du mérite de séduire des hommes avec ses robes. Robert, combien vous lui mettez zéro, à la reine? Vous la connaissez la reine? Écoutez, j'affirme qu'elle n'a jamais trompé Philippe avec moi. Avec vous? Ah, avec vous. Combien pour la reine? 30 points! Bon, c'est juste un bravo. À l'évêque, c'est pas bon. Autre voilà. Nom dans le kick à déconner, Dominique de Villepin. Pourquoi monsieur de Villepin? Parce que le ministre de l'Intérieur ne veut pas remettre à monsieur Sarkozy des preuves comme quoi il serait innocent dans une affaire très compliquée d'argent placé au Luxembourg et que monsieur Sarkozy, il a peur qu'on l'accuse parce que son nom a été cité, mais monsieur Sarkozy dit qu'il est innocent et que monsieur de Villepin, il dit oui, oui, vous êtes innocent, j'ai les preuves, mais je vous les donne pas. Je sais pas si vous avez bien compris l'affaire, moi pas, mais c'est pas bien monsieur de Villepin. Moi, je mets zéro, j'ai rien compris. Même quand vous avez tenté de m'expliquer, j'ai pas compris. Jean-Bernard. Eh ben moi, je mets zéro parce qu'il vient de passer haut la main son examen de ministre de l'Intérieur. Valérie. Moi, je mets zéro parce qu'il est trop beau. Alors, ah, vous l'aimez bien, monsieur de Villepin. Christophe, combien pour monsieur de Villepin? Ah, ben zéro. Moi, Sarkozy, moi, j'aurais été à sa place, j'aurais fait pire. Ah oui? Claude. 30 points parce que son ambition est tellement accrue et à nu que c'en est vraiment choquant. Jean-Luc. 30, parce que je suis trop déçu, je savais pas qu'il y avait des coups bas en politique. Robert Hossein. Écoutez. Montrez 0 points, vous lui donnez à monsieur de Villepin. Oui. Ça fait 60 points, et hop. Horace McCoy a écrit On achève bien les chevaux. Et Robert Hossein a mis en scène ce spectacle où on n'achève pas les spectateurs, mais quasiment les comédiens danseurs qui sont sur scène. Allez voir ça, c'est au Palais des Congrès. Merci Robert. Merci à vous. Bon week-end. Merci.
Thank you.